Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pixelborn et dans cette vidéo on va s'attaquer au dernier deck de démarrage, le Saphir Acier. On va regarder dans un premier temps ce que propose le deck, les cartes qui s'y trouvent et les mécaniques qu'il y a. Ensuite on le fera évoluer en version budget pour le renforcer et derrière on terminera sur la troisième version de cette decklist en version compétitive. Comme d'habitude, on commence avec le deck de démarrage Saphir Acier. Et que dire sur cette decklist et ce deck de démarrage? Je pense que c'est le meilleur des trois. Honnêtement, en tout cas, c'est celui qui a le plus gros potentiel en termes d'évolution. On a deux mécaniques extrêmement intéressantes, que ce soit la rampe d'un côté ou le fait d'avoir des gestions de zone, entre guillemets, de l'autre. Pour information, le ramping, c'est quoi? C'est tout simplement avoir des cartes qui vont avoir des effets qui vont vous apporter plus de ressources. Donc là, en l'occurrence, c'est les encres. Et l'idée, ça va être de pouvoir avoir plus d'encre. À chaque tour, normalement, on peut ancrer une carte. Là, on va avoir des cartes de personnages, d'actions, qui vont nous permettre d'ancrer encore plus. Et donc, de pouvoir jouer 2, 3 cartes ancré en plus, alors que votre adversaire, s'il ne joue pas ces cartes là, aura qu'une seule encre par tour au maximum, ce qui nous permet d'aller atteindre des coûts en encre beaucoup plus importants et plus rapidement. Là où un adversaire aura 5 encres pourra jouer des cartes à 5 en encre, nous on aura peut-être 7-8 encres, et du coup forcément le ratio puissance entre une carte à 5 encres et une carte à 8 encres n'est pas du tout le même. Et l'idée de cette decklist là, c'est d'associer ces deux mécaniques, le bleu pour ramper et apporter énormément d'encre rapidement, et le côté gris, donc le côté acier, qui va proposer des cartes avec des coûts élevés en encre mais qui ont des effets assez intéressants et importants. D'ailleurs, si jamais cette decklist vous intéresse, que ce soit pour Pixelborn ou pour vous faire une decklist en format papier, tous les liens sont dans la description, l'intégralité de ce que je vais vous présenter ici, donc que ce soit le deck de démarrage, le deck budget ou le deck compétitif. Alors, regardons un peu plus en détail pour illustrer finalement ce que je viens de vous dire. Au niveau du bleu, on a la grand-mère Tala, petite carte intéressante, petit héros sympathique, deux encres, une 1-1, qui dit que quand ce personnage est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre. Donc à la fois, elle va pouvoir chercher du lore dès le début, et ensuite, si jamais votre adversaire s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir une encre supplémentaire, et donc ça fait poser un peu la question à l'adversaire. Est-ce que je gère une grand-mère Tala qui permet de lorer 1, ou est-ce que je la laisse? Et du coup, potentiellement, avec la grand-mère Tala, on va pouvoir agresser, défier un héros adverse pour qu'elle se tue, pour avoir justement une encre supplémentaire. On a aussi le petit Mickey Mouse, dans le même style. Alors lui, c'est pas quand il est banni qu'il va tout simplement nous permettre d'ancrer une fois de plus. C'est tout simplement quand il est joué. Il coûte 3 encres. Et quand il arrive sur le champ de bataille, sur le jeu, quand on le lance tout simplement, on va prendre la première carte de la pioche et on va la mettre dans notre réserve d'encre. Donc assez intéressant encore une fois. Et si on cumule les deux, Grand-mère Tala tour 2 et Mickey Mouse tour 3, en partant du principe que Grand-mère Tala, on l'a utilisé pour défier un personnage adverse, ou alors qu'il a été défié et qu'elle est bannie, et bah tout simplement au tour 3 on va avoir 5 encres. 5 encres qui va nous permettre d'aller jouer des petites cartes comme Maléfique par exemple, 5 encres qui leur 3, c'est plutôt sympa, ou une petite Aurore, 5 encres qui leur 2, mais qui donne tout simplement hors d'atteinte aux autres personnages que vous contrôlez, donc ils ne pourront pas être la cible de capacité de héros ou d'action ou d'autre chose en fait, ils ne pourront être tout simplement que défiés, ils ne pourront pas être ciblés par des effets. Qu'est-ce qu'on a en encre 5? On a aussi une bête, enfin voilà, on a quand même pas mal de choses intéressantes et on s'approche très rapidement des 6, 7 et 8 qui sont aussi assez intéressants dans cette decklist là. Autre carte intéressante, on a voilà, développe ton cerveau, une petite action pour un d'encre qui va vous permettre de regarder les deux premières cartes de votre pioche, d'ajouter l'une d'entre elles dans votre main et l'autre de la mettre sous votre pioche, donc ça permet de filtrer un petit peu et de pouvoir faire un choix sur qu'est-ce qui est le plus intéressant, j'ai besoin de quoi à tel moment, je vais prendre plutôt ça que ça parce que ça va m'être utile tout de suite. Et puis autre carte qui permet d'ancrer ici, on a Je vole, une petite action pour deux encres qui va vous permettre de, comme pour le Mickey,
prendre la première carte de votre pioche et la mettre dans votre encre. Et donc du coup, avoir une encre supplémentaire. Après, on a des petites cartes sympathiques, mais pas oufissimes, qui ne sont pas extrêmement intéressantes dans le plan de jeu final, mais qui peuvent être utiles si on joue un peu agressif. Le panier de coco, ici, qui est un objet pour deux encres, qui à chaque fois que vous jouez un personnage, vous permet de retirer jusqu'à deux jetons de dommages sur une créature. Donc en général, c'est vous, sinon abstenez-vous. Fleur au pétale d'or qui permet justement de bannir cet objet, donc qui coûte un encre, pour choisir un personnage et lui retirer 3 jetons dommage. Voilà, c'est un petit peu de soin, on va dire, pour le côté un petit peu agressif qu'on pourrait proposer dans ce deck, mais qu'on n'utilise pas spécialement. Maintenant, côté acier, je vous disais qu'il y avait des gros sorts. On a typiquement Maui, 8 encres, 8-8. Killer 3. On a aussi Simba, 7 encres, Killer 2, qui a offensive 4, donc quand il défie un héros, c'est une 8-6, et en plus de ça, quand c'est votre tour, il acquiert un saisissable, ce qui lui permet de défier les créatures avec un saisissable. On a aussi Petit Mufasa et Scar, qui sont tout simplement des héros respectifs à 6 encres, Killer 3 et 2, sachant que Scar fait en plus un petit moins 5 de force à un héros adverse, donc qui facilite un petit peu le défi pour éviter de perdre un personnage. On a aussi des cartes comme Tuons la Bête, hein, une petite action pour 5 encres qui va infliger 2 de blessure à chaque personnage adverse. On va avoir aussi des sorts en dégâts comme Allumer les Mèches pour un encre qui inflige 2 de blessure à un personnage, comme Fracasser pour 3 encres qui lui va infliger 3 de dommages à un personnage. Donc on commence à voir un petit peu le plan de jeu côté acier. Ici on a la Poêle à frire comme objet qui permet de faire en sorte que quand on bannit cet objet, on a tout simplement un personnage qui ne pourra pas défier pendant son prochain tour. Intéressant. Je ne sais pas, mais au moins ça a le mérite d'exister. Puis après, on a la petite bête ici qui, quand elle est jouée, vous permet de bannir un objet qui est en jeu. Et puis voilà, ça c'est sur le haut de la courbe en coup en encre. Et puis sinon, très tôt, on a un petit capitaine crochet, par exemple, pour une encre. C'est une 1-2 qui a offensif 2, c'est-à-dire que quand il défie, il gagne plus de d'attaque et devient 3-2. On a aussi le prince Eric, dit le tueur de Simba, qui est une 1-3 pour 2 encres, qui lui a aussi offensif 2. Donc quand il défie, il passe et devient 3-3. Et puis on a un petit Hercule ici qui... pour 3 est une 3-3 avec rempart, donc qui permet de protéger un petit peu vos héros très tôt dans la partie de défi adverse. Donc voilà, globalement, on a deux mécaniques totalement différentes qui s'associent extrêmement bien et qui, une fois un petit peu changées, donnent de très belles choses. Passons maintenant à la version budget. Alors on va garder bien entendu quelques cartes, mais on va se séparer de... pas mal d'objets inutiles. On va commencer par les héros. On va garder le Capitaine Crochet. On va augmenter le nombre d'aurores pour pouvoir profiter de cette aurore là avec un alter 3 afin de donner hors d'atteinte aux autres personnages, histoire d'éviter de subir des effets dérangeants de part et d'autre. Le prince Eric, on le garde bien entendu. Mickey pour ancrer encore plus. Bien entendu, on va rajouter la fée clochette ici, fée clochette assez intéressante, donc pour 3 c'est une 2-4 qui, quand vous l'engagez, quand vous l'épuisez, et ben en fait vous pouvez piocher une carte et vous défausser une carte qui permet de creuser un petit peu pour aller chercher la carte qui vous manque, la carte qui vous intéresse, afin d'avancer dans votre plan de jeu. On rajoute un petit Donald qui est une carte rempart fort sympathique vu qu'elle a 5 d'endurance, elle coûte 4. Et puis tout simplement en fait durant votre tour les personnages mousquetaires gagnent insaisissable et donc ils pourront attaquer des héros ayant insaisissable. Mais bon, il n'y en a pas d'autres que Donald, c'est juste le fait qu'il ait 5 d'endurance, c'est vraiment intéressant, ça le permet de résister un peu plus. Aurore du coup x2, la petite maléfique x2. La bête x2, Simba on garde x2. On va rajouter Maurice. Maurice qui coûte 6,
qui a 7 d'endurance et 2 de force, qui, quand il est envoyé à l'aventure, vous permet tout simplement de réduire le coût d'encre de votre prochain objet. Et à chaque fois que vous jouez un objet, vous pouvez piocher une carte. Donc assez intéressant. On a gardé quelques objets exprès pour ça, pour profiter un petit peu de l'effet de pioche. Mufasa, on le garde parce que bah, il or 3, donc c'est toujours intéressant. Nouveauté aussi, c'est la fée clochette. Alors en une fois, parce qu'elle coûte très cher, hein, comme vous pouvez le voir, là, elle est affichée à pratiquement 25$. On voit tout de suite que les cartes qui sont classiques, basiques, ne coûtent pas grand chose, même si Maurice, là, est à 2,60$, alors que le reste est à... Quoi? Allez, de 1$, moins d'1$. On a voilà 1$ maléfique, 2,50$ aurore, sachant que la cote française est plus élevée que ça. On a le petit Maurice ici. Mais là, voilà, on passe à 24$, 26$. Donc, c'est des ajouts doucement. Hein. Voilà, c'est le prix, je crois, de tête des autres decklist budget aux alentours de 70, 80, 80$. On est sur 120. On a monté un petit peu d'un niveau. Et je vous parle pas du deck compétitif qui s'envole clairement. Mais voilà, la fée clochette qui va profiter de l'alter 4 pour cette fée clochette-là. Donc vous pouvez jouer tour 3 la fée clochette pour 3 encres et la fée clochette ici géante pour 4 le tour d'après. Donc c'est une 5 d'endurance, 4 de force qui, quand elle est jouée, inflige un dommage à chaque personnage adverse. Donc on va encore profiter de cet effet côté acier d'infliger des dégâts de zone. Et en plus de ça, elle a une capacité, c'est quand elle bannit un autre héros via un défi, elle va infliger 2 de dommages à un autre personnage. Donc assez intéressant, du coup, on va, quand elle arrive, infliger un dégât aux adversaires. Et en plus de ça, quand on va défier grâce à la fée clochette, si elle bannit un héros, on va rajouter 2 dégâts supplémentaires à un héros adverse. Donc assez cool. Hadès, lui, c'est plus de la gestion. Donc il coûte 7, cher, mais a une capacité assez intéressante. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et le placer face cachée dans la réserve d'encre de son propriétaire. Donc certes, on va faire ancrer l'adversaire, mais si c'est une menace, typiquement comme une fée clochette extrêmement dérangeante, on s'en débarrasse. C'est un moyen de gérer tout simplement un héros adverse. Au niveau des actions, toujours développe ton cerveau, allumer les mèches et fracasser. Au niveau des chansons, on garde certaines choses comme tuons la bête. Bon, d'ailleurs, on augmente le nombre. On va prendre ce rêve bleu. Pareil, qui coûte cher, hein. Vous voyez, c'est une très rare qui coûte 16$. Pour 5 d'encre, on fait en sorte que chaque joueur se défausse de sa main et pioche cette carte. En général, il faut plutôt le jouer quand vous avez une main soit qui n'est pas satisfaisante avec 3 cartes ou 4 cartes max, soit quand vous avez une main vide. Comme ça, vous renouvelez votre main, sachant que vous avez potentiellement, théoriquement, en jeu beaucoup plus d'encre que votre adversaire. Ça devrait faciliter après le fait de sortir des cartes et d'accélérer votre domination. Et une petite libérée-délivrée pour 5 encre qui permet de choisir un personnage et de le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée. Un peu comme le Hadès ici pour gérer des héros adverses. Au niveau des objets, miroir de la bête qui pour 2 encre vous permet d'avoir ce petit objet en jeu. Et pour l'activer, vous payez 3 encre et si vous n'avez plus de carte en main, vous pouvez piocher une carte. Donc encore un générateur de pioche. Pour l'offrir, on l'a déjà vu tout à l'heure, pour éviter qu'un personnage ne puisse défier le tour prochain. Et la plume en forme d'arête qui, pour 3 ancs, quand vous l'épuisez, vous permet de placer une carte de votre main, de votre réserve d'encre, face cachée. Et donc vous allez pouvoir ancrer grâce à la plume en forme d'arête. Donc on peut voir qu'on a amélioré un petit peu le plan de jeu initialement du deck de démarrage, on l'a renforcé, on a un peu plus de pioche, on a un peu plus d'effet de zone et de gestion, et donc on va pouvoir épuiser petit à petit, grignoter les défenses des personnages adverses pour s'en débarrasser et faire des effets en boucle, entre guillemets, avec la fée clochette. On va se débarrasser des choses gênantes avec Hadès, avec Libéré Délivré, ce rêve bleu pour renouveler sa main, Tuons la bête pour aussi faire des effets de zone. Vous imaginez que fée clochette plus tuons la bête ou tuons la bête plus fée clochette, c'est quand même 3 de dégâts à tous les héros adverses. Si on regarde typiquement dans cette decklist
les héros avec 3. On a quand même le Capitaine Crochet, Aurore, le Prince Eric, Mickey. Et puis après, à partir de là, ça commence à se calmer un petit peu. Mais voilà, c'est quand même tout leur lit qui est balayé avec ces cartes-là. Et bah, les gros héros du coup restants vont pouvoir être gérés par du Hadès, par du Fracassé, ce genre de choses-là, pour finalement finir de faire le ménage. Donc voilà donc pour cette version budget du Saphir Acier. On passe sur la version compétitive de Saphir Acier. On est sur le Saphir Acier Belle Rampe. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve pas mal de cartes qu'on avait déjà dans le deck budget. Sauf que, bah, en fait, il y a des carrés qui sont présents. Ce qui explique le fois 5 à peu près du coup. On passe à 500$ de valeur. On a bah, typiquement des faits clochettes. Hein. x4, c'est 24-25$ pratiquement. Pièces, donc ça fait 100$ ici, on a 100$ de Hadès aussi, la belle x4 qui coûte 37$ qui n'était pas présente dans le deck budget parce que sinon bah, on commençait à avoir des sommes astronomiques, mais voilà, on est sur ce genre de deck list là avec ce genre de valeur. On garde quand même pas mal de cartes comme je vous disais, hein. Capitaine Crochet, Prince Eric, le Mickey, la fée clochette ici qui est très utile pour l'alter 4 de la fée clochette géante. Donc hein, pour rappel, hein, pour 4 encres, vous allez faire 2 dégâts à tous les héros adverses. Ça fait le ménage. La belle ici, assez intéressante. Donc elle coûte 4 d'encre, c'est une 2-4. Et en fait, à chaque tour, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. Donc on va pouvoir ancrer plus vite grâce à belle, donc le côté ramping. Et derrière, quand on a au moins 10 encres dans notre réserve d'encre, et bah Belle ne va plus leurrer 1, mais elle va leurrer 5, ce qui est énorme. On a toujours Donald pour protéger nos héros avec le rempart, Aurore qui va donner hors d'atteinte à nos héros, la bête pour détruire toujours les objets, Mickey Mouse qui va venir compléter l'équipe de mousquetaires, qui a aussi rempart, 7 d'endurance ici, et qui va permettre du coup de faire en sorte que vos autres personnages mousquetaires, donc Donald ici ou un autre Mickey si on a d'autres Mickey mousquetaires, puissent avoir un d'attaque supplémentaire. Donc ça transformera le Mickey en 3-7 et le Donald en 3-5. Donc on est vraiment ici sur le Mickey et le Donald, des héros qui sont là pour protéger nos héros qui vont partir en quête de points de l'or assez rapidement et assez salement. Donc la flèche clochette, hein, je vous le disais, un de dégâts pardon, pour chaque personnage adverse quand elle arrive en jeu, et quand elle bannit un héros adverse, c'est 2 de dégâts à un autre personnage. Le Hadès pour se débarrasser de héros adverses dérangeants en le mettant dans la base d'encre. Développe ton cerveau pour de la gestion, un peu de pioche pour s'assurer que on veut telle carte et pas telle autre carte. Fracasser pour des dégâts supplémentaires. Hein. 3 de dégâts, 1 héros. Libérer et délivrer pour compléter Hadès. Ce rêve bleu x4 aussi pour piocher et renouveler régulièrement sa main parce qu'on va potentiellement ancrer vite et beaucoup. Et donc bah, on va vite épuiser notre main. Donc ce rêve bleu permet de renouveler sa main. Tuons la bête, pareil x4, on va faire le ménage, 2 de dégâts à chaque personnage adverse. Et puis on va garder la plume en forme d'arête et miroir de la bête qu'on avait déjà dans le deck budget. Tout simplement bah, voilà, pour de la pioche et pour pouvoir ancrer encore une fois et pouvoir jouer, claquer des fées clochettes, tuons la bête par exemple, cumulées pour faire un carnage. Voilà, 3 de dégâts à tout le monde, puis on peut compléter potentiellement avec, allez, on rajoute un petit fracassé en plus parce qu'on a suffisamment d'encre pour faire tout et n'importe quoi et nettoyer, pulvériser tous les espoirs de notre adversaire. Donc voilà ce que propose le deck compétitif, l'évolution finalement du deck de démarrage Saphir Acier. On se retrouve pour tester le deck compétitif Belle Rampe. Alors, on a beaucoup trop de cartes qui ne peuvent pas être ancrées. On n'a pas trop la mécanique d'encre. On va quand même garder Aurore. On a la bête et tout. On va faire ça. On va changer. C'est un peu mieux. Alors, miroir. On va garder le miroir. Pour pas de cartes en main, pas très intéressant. On va mettre
le petit Capitaine Crochet et on va passer ensuite, on va ancrer. Ok, donc on a du ramping aussi en face, théoriquement en tout cas, comme c'est du bleu. Alors, on va faire la bête into Eric et on passe. On va pas ancrer, on n'est pas dans la course. Nous, il faut qu'on mette en place notre plan de jeu. Donc, on est pareil sur un saphir acier en face. On va aller jouer un petit Mickey Mouse. Ok, ça commence. Alors, j'aimerais bien garder la fée pour ancrer, enfin pour la fée clochette. On va mettre la carte du dessus et on passe. Donc là, il a deux ancres, on en a quatre. Et derrière, on va pouvoir potentiellement soit ancrer la fée clochette et jouer Aurore. Pour avoir hors d'atteinte, qui va être intéressant. Donc on ne pourra pas subir ce qu'on vient de subir ici avec allumer les mèches. Après, on peut très bien aussi faire un... Alors non, ça ne sera pas intéressant. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que le prince Eric peut tuer Christophe via un défi. Ça, c'est plutôt cool. On va faire ça comme ça. On va jouer Aurore. Et on passe. Là, nos deux personnages ont hors d'atteinte. S'il a le malheur de partir à l'aventure avec un de ses personnages, on peut potentiellement partir sur prends ton épée ici. C'est pas prendre ton épée normalement. C'est tuer la bête. Ouais, il y a un problème de traduction de carte, enfin de nom de carte, et on va pouvoir faire un petit peu le ménage. Ok, tu la joues comme ça. Alors, on peut faire ça comme ça. On va pouvoir faire ça comme ça. Voilà. Et on va partir à l'aventure avec les deux. Ce qui fait que si Maléfique attaque, que ça soit... Alors le Mickey, elle peut le tuer. Mais du coup, si elle attaque Aurore, sa Maléfique meurt. Et donc, elle peut pas profiter des deux de l'or qu'il y a derrière. Sachant que derrière, on va pouvoir potentiellement fracasser Maléfique pour la bannir. Et là, il nous faut de la pioche. Ok, on a une petite... Mais non. Ah bah oui, c'est vrai que bah, t'aurais pu faire moins 2 sur Aurore, mais plutôt que de faire moins 2 d'attaque sur ta Maléfique. Ok. Alors, Aurore ne lore que 1. On fait ça comme ça. On fait fracasser sur Maléfique. Comme ça, on s'en débarrasse. Et on joue la fée clochette. Et on part à l'aventure avec Mickey et Aurore. Sachant que l'Aurore d'en face ne peut pas nous tuer. Ni le Mickey, ni l'Aurore. Donc on est plutôt bien et on va continuer à aller avancer. Voilà. On a une petite Aurore en face. Ok, là ça joue des Aurores en masse. Qui lore 2. Et c'est vrai qu'on voit tout l'intérêt de tuons la bête pour se débarrasser de ces petites cartes-là.
Après, si j'arrive à choper une fée clochette, ça peut faire le taf aussi, hein. On puisse la mettre sur cette fée clochette là. Donc là, ça l'or 5 en face. Alors, on fait ça. Nickel. On fait ça en rempart. Et on va partir à l'aventure avec tous nos petits personnages. Et on a Donald qui nous protège. Ça, c'est plutôt cool. On leur exactement la même chose que notre adversaire. Alors, il peut très bien accélérer aussi. Hein. En deux tours, on a gagné. S'il fait rien. Après, il fait que de le, il fait que de jouer des. Il faudrait attaquer à un moment donné, je pense, monsieur. Et on a le petit Donald qui veille au grain. Et va leurrer. Ouais, là, il commence à leurrer. Voyons voir. Bon, bah. On va jouer une fée clochette. Ça va défier. Ça. Ça part ici et ça part là. Donc là, il leur 6. Ok. Il leur plus que 5. Ok. Il va essayer de tuer ma Aurore. Très bien. Donc il va l'aurait du coup 4, 3. Moi je leur pue beaucoup là. Est-ce que j'aurais joué trop tôt? Tuons la bête. Là on est au top deck tous les deux, hein. Bon bah voilà. Alors, Alter 4 ici. On va pouvoir ensuite faire ça là. Et donc du coup, l'effet ici. Et on s'est débarrassé du board. La fée clochette. Et donc là, on a normalement gagné. On l'or 4, mais peu importe ce que pose l'adversaire. Là, il n'a rien pour l'orer. Et la petite avance que je me suis construit dès le début, il n'a pas réussi à voilà, tout simplement la récupérer. Et c'est une victoire avec ce saphir acier belle rampe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je propose. Moi, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.